Salut les Breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Nantes au CNGT Une Étoile de Don Bosco. Je suis arrivé, je joue Romain Jouan. Alors il doit être numéro 90 français. Il a été numéro 22 il me semble, il était 200e mondial. Il a joué Roddick à Roland, il a joué aussi le tableau final de l'US Open. C'est un joueur que je connais bien puisque quand j'ai commencé à CNGT, c'était le meilleur. Je jouais souvent et je perdais, j'ai perdu 3-4 fois de suite. Et jusqu'au jour où je l'ai battu une fois en finale d'Argenton sur Creuse, CNGT 3 étoiles, 7-6, 6-7, 7-5. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que je l'ai presque toujours battu. Il a 37 ans maintenant, il joue un peu moins, il s'entraîne un peu moins, il fait moins de matchs. Donc, favori sur le papier, mais vous savez bien comme moi que le sport reste du sport et que chaque match peut être gagné par n'importe qui. Donc, à moi d'être à 150%. Je sais que si je suis à 90%, je perdrai ce match. Donc concentré à 100%. Je vais essayer de qu'il y ait beaucoup de rallyes, beaucoup d'échanges, parce que je sais que physiquement, je suis plus fort que lui. Voilà, il a un gros service, un gros coup droit. Il peut me faire très mal avec, il peut être très dangereux avec ça. Donc, il faut faire attention à ces deux coups. Et puis voilà, écoutez, donc je joue demain matin à 11h et si je passe, ça serait l'après-midi. Donc voilà, match après match et puis je vais filmer tout ça comme d'habitude. Je te dis à demain. Et surtout, si tu es en train de kiffer la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous de la vidéo. Ça permet à plus de personnes de découvrir la chaîne tout simplement, d'avoir plus de vues et pour pouvoir créer encore plus de contenu. C'est un cercle vertueux qui est très important pour moi et pour la chaîne. Sur cette chaîne, je partage simplement ma vie de joueur professionnel. Je te donne aussi plein de petits tips tactiques, techniques, physiques, mentales. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Thank you.
Retour à la maison, les Breakers. J'ai perdu contre Romain, 7-5-6-4. J'ai pas fait le meilleur match de ma vie. Et lui a très bien joué, très très bien joué au tennis, très agressif. Il a très bien retourné, j'ai pas très bien servi. Voilà, il a été meilleur sur le match. Résultat pas du tout attendu. Je pensais vraiment m'en sortir. Premier set, je suis mené 3-0. Je reste calme. Je me dis que ça va arriver, que physiquement je vais passer devant, qu'il va avoir un petit coup de mou. Je reviens à 3-3, voilà. Je me sentais pas non plus bien à 150%, mais voilà, je me sentais assez bien pour gagner ce match. Mais finalement, non, il a été meilleur que moi. Perdu donc du coup en 8e de finale au premier tour de ce CNGT une étoile. Donc petite claque quand même, mais ça fait du bien. Ça fait du bien des fois de prendre des claques, de perdre des matchs qu'on ne devrait pas perdre. Ça permet aussi de se mettre aussi un peu en question, de réfléchir à son jeu, à soi, etc. quoi. Sans pour autant, alors je sais très bien qu'il y en a plein qui, quand ils perdent un match, voilà, un peu où ils ne devraient pas perdre, ils se disent c'est bon, j'arrête le tennis, etc. Je me le disais aussi quand j'avais 12 ans. Mais finalement, les défaites font du bien, vraiment du bien. Ça permet de, voilà, de repartir à l'entraînement sur de bonnes bases, de se réentraîner un peu physiquement, de reprendre un peu, voilà, enfin voilà. Dans tous les cas, ça m'affecte absolument pas pour les matchs prochains. Je peux très bien aussi perdre encore au premier tour au tournoi de Caen par exemple, mais ça m'affecte pas du tout. Je sais que je joue bien, je me sens bien en ce moment, donc une petite défaite par-ci par-là, ça arrive, et c'est le sport, c'est comme ça. Donc voilà un peu l'analyse et comment je vois les choses après un match, après une défaite. Donc voilà les Breakers, très content d'avoir fait cette vidéo malgré tout avec vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, prochain tournoi ce week-end à Caen, qualificatif pour le Zénith, tournoi que j'ai vraiment envie de faire. Et une dernière chose mon Breaker, si tu veux rentrer dans les coulisses de mon entraînement et découvrir mes meilleurs conseils pour progresser techniquement, tactiquement, mentalement et physiquement et encore dans plein d'autres domaines, j'ai créé il y a quelques semaines ma propre académie 100% en ligne de tennis. Dedans, tu as accès à l'intégralité de mon catalogue de formation et tu vas pouvoir enfin battre les joueurs que tu n'arrives pas à battre et atteindre le classement que tu mérites. Ça représente environ 80 heures de formation et ça continue de grandir puisque je rajoute pour toi une formation toutes les deux semaines. Les membres de l'académie ont par exemple accès à la formation La Perf, la méthodologie exacte pour monter en seconde série et se sentir injouable sur le terrain. Si tu veux les rejoindre, clique sur le lien en description. Si tu es sur smartphone, tu as juste à cliquer sur la flèche à droite du titre et tu verras le lien. Salut mes Breakers.